Vous êtes nombreux en commentaire de mes vidéos ou sur Instagram à me demander comment je trouve des spots d'urbex, comment je m'organise pour partir en road trip ou comment est-ce que je fais des recherches, comment je trouve des informations sur les lieux que j'explore. Plutôt que de refaire une énième FAQ, je me suis dit pourquoi ne pas créer une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je vous expliquerai comment trouver des spots d'urbex et comment organiser un road trip et comment trouver des informations. Certainement je vous parlerai d'autres tips, je ne sais pas encore de quoi exactement je vais vous parler dans ces vidéos. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, entre deux explorations, lorsque je suis chez moi, faire des vidéos posées en studio dans lesquelles je pourrais vous donner des conseils si vous avez envie de débuter en urbex. Je sais pas par exemple quel matériel utiliser ou quel matériel j'utilise ou comment faire des photos d'urbex, comment réussir ces photos d'urbex, comment faire des recherches, ce genre de choses. Et donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, vous avez cliqué dessus, donc vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour chercher et trouver des spots d'urbex. Il y a deux types de recherches, on va dire, pour trouver des lieux d'urbex. Soit vous allez tomber sur une publication ou un album avec plein de photos d'un spot que vous allez trouver super beau et vous allez vouloir chercher. Donc il va falloir chercher à partir de ces photos ou d'une vidéo. Ou alors, vous allez chercher totalement par hasard des lieux, ce que je vais appeler moi des checks, pour aller trouver des lieux exclusifs, des lieux que personne n'a encore découvert ou alors très peu de monde et qui ne sont pas connus dans le milieu de l'urbex. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, je vais vous apprendre comment chercher des checks et comment aller checker. Et la deuxième partie, donc, comment trouver des lieux d'urbex, des spots d'urbex que vous avez vus sur Instagram, Facebook ou encore sur YouTube et TikTok. Vous allez voir que chercher des lieux de façon aléatoire, c'est beaucoup plus simple que chercher un lieu en particulier. Enfin, ça dépend des fois. Pour trouver des lieux que personne ne connaît, que j'appelle donc des checks. Pourquoi je dis des checks? C'est parce que vous allez trouver des adresses, mais vous ne savez pas, un, si c'est abandonné, deux, si c'est ouvert ou accessible, et trois, à quoi ça ressemble. C'est pour ça que j'appelle ça des checks, parce qu'il faut aller vérifier, tout simplement, sur place, ce que vous avez trouvé. Pour trouver des checks, il va tout simplement vous falloir Google Maps et de la patience. Voilà. Il y a deux choses à avoir, c'est Google Maps et de la patience. Vous pouvez aller sur Google Maps soit sur un ordinateur, soit sur une appli mobile. Vous pouvez ouvrir Google Maps et chercher à partir d'autour de chez vous, dans un rayon de 10, 20 ou 50 km, c'est comme vous voulez. Dites-vous qu'il y a des spots d'urbex absolument partout. On va partir du principe que vous habitez ou vous cherchez des lieux dans un milieu rural. C'est beaucoup plus simple de trouver des spots dans un milieu rural. Va falloir que vous cherchiez dans tous les petits villages autour de chez vous, également sur les routes entre les villages, les habitations, et être très attentif lorsque vous allez trouver une habitation avec de la végétation qui est beaucoup plus présente que chez les autres maisons. Alors attention, ça ne veut pas dire que s'il y a une grosse végétation autour de la maison, ça ne veut pas dire que c'est abandonné. Il est possible que le terrain soit mal entretenu, mais la maison est quand même habitée. Donc voilà, cherchez des maisons ou des bâtiments qui sortent de la végétation. Vous savez, vous avez juste le toit, vous avez la végétation autour qui pousse, ça se voit, ça se remarque très bien sur Google Maps. Une pelouse qui est tendue à côté d'un terrain qui n'est pas entretenu, ça se voit très vite. Lorsque vous trouvez ce genre de lieu, vous mettez un petit point, soit vous appuyez longtemps avec votre doigt sur l'application mobile, soit vous cliquez sur un spot, enfin, sur un toit d'une maison avec votre souris sur l'ordinateur, et vous ajoutez un libellé. Vous pouvez mettre maison avec le nom de la commune, ou alors maison avec le nom de la rue, et évitez de mettre avoir, ou c'est quoi, ou à checker, parce que vous allez vous retrouver complètement perdu à plus savoir ce que vous allez voir. Enfin après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom, mais si vous voulez faire une recherche avec un nom d'un spot sur Google Maps en cherchant le nom du libellé que vous avez mis, par exemple un lieu qui est très connu, je ne sais pas, du n'importe quoi, le sanatorium Méribel, vous ne savez plus où c'est, si vous tapez sanatorium Méribel, vous allez vous le retrouver parce que vous l'avez enregistré en libellé. Alors que si vous tapez juste hôpital 1, 2, 3, je ne sais pas, vous n'allez jamais le retrouver le truc. Donc voilà, soyez organisé. Vous pouvez également utiliser, si vous le souhaitez, My Maps. Vous allez pouvoir créer une carte sur votre carte, ajouter des points exactement comme sur Google Maps. Et c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus poussé que Google Maps. Vous allez pouvoir non seulement mettre des libellés avec des noms, mais aussi utiliser une petite icône, une petite image avec une couleur également. Du coup, ça vous permettrait de savoir quel type de lieu c'est lorsque vous allez zoomer sur la carte. Par exemple, des châteaux, ou des usines, ou des voitures. Également, la couleur, ça pourrait être un repère pour savoir, par exemple, si c'est un lieu que vous avez trouvé seul en checkant, ou alors si c'est un lieu que vous avez trouvé grâce à une publication, ou je ne sais pas, par exemple, mettre en rouge si c'est dangereux ou gardiné, ou enfin, ce genre de choses-là. Également, mettre une couleur comme repère si vous y êtes déjà allé ou pas.
Une fois que vous avez passé une ou deux heures sur Google Maps à chercher un petit peu autour de chez vous et à mettre quelques points sur les maisons, il va falloir maintenant aller vérifier sur place. Je rappelle que les points que vous avez mis sur Google Maps, c'est sur les maisons que vous pensez abandonner. Alors je dis des maisons, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ayez bien en tête que ce n'est pas toujours le cas. Même si le terrain est en friche, la propriété n'est pas forcément abandonnée. Donc soyez prudent lorsque vous allez checker, passez une fois devant. C'est pas 30 fois non plus devant pour pas vous faire repérer, mais analysez le terrain avant de rentrer dans la propriété. Ça serait bête de faire une violation de domicile, de rentrer chez quelqu'un. Rentrez dans le terrain uniquement si vous avez la quasi-certitude que le lieu est abandonné. Une fois que vous êtes sur la propriété, si vous voyez qu'il n'y a pas d'accès, que les portes sont fermées à clé, que les fenêtres sont fermées, que les volets sont fermés, qu'il n'y a aucun accès, vous partez. Vous gardez le spot dans un coin de votre tête, sur la carte, mais vous partez, vous ne forcez pas. Il est important de ne pas rentrer par effraction. Non seulement c'est pas respectueux pour le lieu, mais en plus vous pouvez avoir de gros problèmes. Donc voilà, si vous souhaitez aller explorer des maisons ou d'autres bâtiments que vous allez check, que vous allez trouver sur Google Maps, retenez bien que si c'est fermé, vous ne rentrez pas, vous ne forcez pas pour rentrer. C'est très important. La deuxième façon donc de chercher des spots d'urbex, ça va être depuis des publications, soit en photo, soit en vidéo, donc que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou TikTok. S'il y a un spot que vous trouvez vraiment beau et que vous avez vraiment envie d'aller voir, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, c'est de faire une capture d'écran. Si c'est sur Facebook, par exemple, prenez une capture d'écran de la publication avec les petites photos en vignette et puis le nom de la personne qui l'a posté, éventuellement le nom du groupe sur lequel la publication était postée. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement et faire des recherches facilement. Si c'est sur Instagram, prenez une capture d'écran de la photo avec le nom du compte qui l'a posté, vous pourrez retrouver également facilement. Et si c'est sur YouTube ou TikTok, vous pouvez soit sur TikTok ajouter la vidéo aux favoris ou sur YouTube la liker. Vous pouvez la retrouver dans vos vidéos j'aime ou éventuellement copier le lien et le coller dans un bloc-notes. Ça, c'est la petite technique pour retrouver facilement les publications des spots qui vous ont tapé dans l'œil. Maintenant, il va falloir chercher avec ces photos ou ces vidéos le spot que vous convoitez. Alors là, ça va pas être facile, va falloir être patient et c'est un vrai travail d'enquêteur. Va falloir que vous cherchiez le moindre détail sur toutes les photos qui peut vous donner des indices sur la localisation du lieu. La première chose à essayer de trouver sur des photos ou sur une vidéo YouTube, c'est 1. Dans quel pays ça se trouve, et si c'est en France, dans quelle région. Il y a différents moyens d'arriver à savoir dans quelle région ça se trouve. Peut-être que le photographe ou le vidéaste n'a pas été très attentif et a glissé des petits indices sans le vouloir. Ça peut être par exemple les pages jaunes qui traînent sur une table avec le numéro du département. Ça peut être pareil en parlant de numéro de département, une plaque d'immatriculation d'un vieux véhicule qui est resté là. Ça peut être très facile de déterminer le département. A l'inverse, s'il n'y a aucune information, ça peut être très difficile. Ce que je vous conseille donc, c'est en premier chercher la région ou le département dans laquelle ou dans lequel se situe ce spot que vous cherchez. Si vous trouvez quelque chose, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Si vous ne trouvez rien, il va quand même falloir passer à l'étape suivante, même sans information. Si c'est un château, si vous avez la façade du château, vous avez possibilité de chercher la façade du château. Il existe des applications, ou même sur Google Images, vous permettant de faire des recherches par image. Alors c'est pas de la triche, mais je vous avoue que c'est beaucoup trop simple. Et c'est pour ça que personnellement, moi, quand j'explore des grosses bâtisses qui sont reconnaissables, j'évite de poster la façade du château ou ce genre d'endroit, parce que c'est très facilement trouvable. Donc si vous voyez une photo d'une façade, vous pouvez faire une recherche par image avec Google Images ou d'autres applications qui existent pour le faire. Que vous n'ayez pas de photos de l'extérieur ou alors que vous ayez des photos de l'extérieur mais qu'il n'y ait aucun résultat qui ressort de ces applications par recherche par image, il va falloir que vous tourniez vers l'architecture. Alors si c'est une simple maison ou un petit manoir, ça va être très compliqué. L'architecture, ça va vous permettre de déterminer la date approximative de construction, voire même la région. Je m'explique par exemple, en Bourgogne, il y a beaucoup de châteaux avec des tuiles vernissées. Des châteaux abandonnés avec des tuiles vernissées, il n'y en a pas tant que ça, mais ça existe. Vous saurez que si vous trouvez un lieu avec des tuiles vernissées, les tuiles vernissées, c'est des tuiles qui sont peintes de différentes couleurs avec un vernis dessus qui brille beaucoup, il y a quasiment toutes les chances que le château se trouve en Bourgogne. Si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez pas trop en architecture, je vous conseille d'aller sur la page Wikipédia qui est consacrée à l'architecture et de chercher à chaque fois tous les termes d'architecture sur Google pour savoir à peu près à quoi ressemble tel ou tel château de style, enfin des différents styles quoi. Ce qui est intéressant, c'est que chaque style architectural vaut à une époque et donc vous allez pouvoir savoir si c'est un château, de quand date approximativement le château. Si vous avez également une idée de dans quel département ou dans quelle région le lieu se trouve, vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés, c'est-à-dire château, le nom du département et la date de construction. Je vous conseille de mettre le siècle. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver le château.
à condition d'avoir des vues de l'extérieur, parce que si vous n'avez pas de photos de l'extérieur, ça va être compliqué de retrouver sur Google un château qui est référencé si vous n'avez pas de photos de l'extérieur. Si on est toujours sur une habitation style château, il y a d'autres informations qui peuvent vous aider à trouver l'époque de construction du château et donc le style architectural du château. Ça vous paraît être un peu fou, mais une fois j'ai réussi à trouver un château grâce au parquet. Je vous jure que c'est vrai. Le parquet était vraiment très particulier, il faut savoir qu'il existe différents styles de parquet. Et ce parquet-là était vraiment très particulier, c'était un parquet style chantilly. Vous savez, le château de Chantilly, il y a un parquet très particulier, comme Versailles, il y a un parquet qui est style Versailles. Et donc j'ai su que le château avait été construit un petit peu après le château de Chantilly. Pas trop longtemps non plus après, parce que c'était certainement dépassé de mode. Donc je savais que le château datait à peu près de l'époque de Chantilly. Et ben j'ai trouvé le château comme ça. Donc cherchez dans les moindres détails, même là où ça peut vous paraître nul. Ou alors vous dites qu'il n'y a aucune chance que genre, ce détail-là, ça m'aide. Ben je peux vous assurer que tout sur une photo peut, je dis bien peut, vous aider. C'est pas forcément le cas. Si vous avez des parquets en chevron, c'est pas la peine de chercher, c'est très répandu, vous ne trouverez pas. Pareil, si le sol c'est par exemple de la tomette, ça peut vous aider. Ce genre de carreau est très répandu dans le sud de la France. Personnellement, je commencerai à chercher du côté de la PACA si je trouve un lieu avec ce genre de sol. Si vous n'avez rien, aucun résultat avec l'architecture, la région ou l'année de construction, ou enfin la période de construction, va falloir que vous cherchiez dans les moindres détails des photos ou de la vidéo. Le moindre petit document posé sur un meuble ou même en vrac par terre, ça peut vous aider. Que ce soit une facture, que ce soit un relevé de compte, s'il n'a pas été flouté ou autre, vous allez pouvoir par exemple retrouver la caisse régionale. Par exemple, le Crédit Agricole a beaucoup de caisses régionales. Vous allez pouvoir voir peut-être un nom d'une région sur ce genre de document, s'ils n'ont pas été floutés. Normalement, ils sont censés l'être si le vidéaste ou le photographe est attentif. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, les pages jaunes. Ça peut être également des sacs cabas. Il y a souvent le logo, le nom de l'enseigne. Si par exemple vous trouvez un sac, je dis n'importe quoi, un jour j'ai cherché un château avec un sac Jiffy. Jiffy, il y en a partout en France. Par contre, si vous avez une idée à peu près de la région où ça se trouve, il y aura beaucoup moins Jiffy déjà. Si c'est par exemple, je dis n'importe quoi, un bricomarché, vous cherchez les bricomarchés. Si c'est, je sais pas, c'est un Intermarché, c'est pas la peine de chercher avec Intermarché, il y en a partout. Si c'est Cora par exemple, vous savez que ça serait plus nord-est de la France. Si c'est Colruyt également, nord-est de la France, ou éventuellement région Rhône, mais vous en trouverez pas dans le sud-ouest. Voilà, ça vous donne déjà une bonne zone réduite. Ou chercher. Voilà, va falloir chercher tous les moindres détails. Si vous avez des tableaux avec des personnages, vous pouvez faire également essayer de faire plutôt des recherches par image avec ce tableau. Ça ne nous donnera pas forcément de résultats, mais au moins il faut essayer. Ça peut vous donner une idée de quelle famille habitait dans le château. D'ailleurs, en parlant de famille à qui appartenait le château, si vous trouvez une ou plusieurs représentations de fleurs de lys, que ce soit au sol, sur les carrelages, ou peint au mur, sur des fresques, ou n'importe où, sur les photos, vous êtes quasiment certain qu'à un moment donné, le château a appartenu à une des branches descendantes de la famille royale française. Ça va être très compliqué de trouver qui c'est. Sauf si sur les photos ou les vidéos, vous trouvez un ou plusieurs blasons. S'il y a des blasons, que ce soit au mur ou sur une cheminée ou ce genre de choses, vous allez normalement devoir pouvoir retrouver à quelle branche de la famille royale appartenait le château. Même si c'est pas une famille royale, souvent les grandes familles très riches de France ont des blasons, donc vous allez pouvoir retrouver peut-être avec ce blason. Alors si comme moi vous n'y connaissez absolument rien en armoirie, vous allez devoir pareil retrouver grâce à internet, vous allez devoir retrouver les formes de blason, les couleurs, les termes qu'on utilise, parce que par exemple rouge ça va pas être rouge, jaune ça va pas être jaune. Si vous avez une croix, il y a différents types de croix, il y a différents noms de croix. Plus vous allez avoir de mots-clés à chercher sur ce blason, plus vous allez pouvoir éventuellement remonter jusqu'à la famille qui vivait là. Et en fonction de la famille qui vivait là, il est possible que soient référencés les différents châteaux qui appartiennent ou ont appartenu à la famille. Donc vous allez pouvoir éventuellement peut-être retrouver l'adresse du château. Si vous cherchez un site industriel, je vous conseille tout de suite de chercher du côté de Metz ou Nancy ou en Belgique. C'est la zone où il y a le plus de friches industrielles d'Europe, j'ai envie de dire. Ça a été un endroit où il y a eu énormément d'usines qui se sont implantées, et donc il y a énormément d'usines, d'entreprises, de ces usines qui délocalisent leur activité, notamment en Asie, ou alors qui ne fonctionnent plus du tout parce que c'est le marché n'est plus comme avant, et du coup arrêtent leur activité. Ça va être un peu plus compliqué de trouver des friches industrielles parce que vous n'allez pas pouvoir faire de recherche par image ou trouver de blasons, ce genre de choses. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Google Maps comme si vous allez chercher des tchèques, et vous survolez ces régions-là, et vous notez tout. Dès que vous voyez une usine,
où il n'y a personne sur le parking, où il y a des fissures avec des plantes qui poussent sur le béton, ou que ça a l'air d'être vraiment plus en activité du tout, vous notez, vous allez noter tous les points que vous avez trouvés, et peut-être qu'il y aura l'usine que vous cherchiez. Si vous cherchez d'autres types de spots, comme par exemple des cimetières de voitures, des bunkers, des lieux de loisirs, ou des thermes, ou je sais quoi d'autre comme lieu, ça va être compliqué, on va pas se mentir. On va dire que à peu près tout est référencé sur Internet, les bunkers de la ligne Maginot, les établissements thermaux, enfin à peu près tout est référencé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher sur Google Actualité, taper piscine, ferme définitivement, ou fermer définitivement, ou fermeture définitive, vous laissez la magie faire. Vous pouvez chercher piscine ou n'importe quoi d'autre comme lieu, tout ce qui accueille du public. Et vous allez avoir du coup une liste longue comme le bras de lieux qui ferment définitivement leurs portes, qui accueillent du public. Ça peut être du coup des hôtels, des restaurants, des piscines. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez avoir plein d'adresses grâce à la page de Google Actualité. Attention, bien sûr, ça ne veut pas dire que le lieu est abandonné. Ça ne veut pas dire que le lieu n'a pas été repris entre-temps. Et ça ne veut pas dire que le lieu est encore debout. Si vous cherchez, comme je vous l'ai dit, un cimetière de voiture, ça va être un peu compliqué par contre, parce que là, vous n'aurez aucun référencement sur Internet. Va falloir vous débrouiller par vous-même. On va pas se mentir, c'est pas chose facile, sachant que la plupart des véhicules se trouvent dans des zones boisées. En tout cas, les cimetières de voitures que je connais sont soit sous la végétation entièrement recouverte et donc invisible sur Google Maps. Donc franchement, les cimetières de voitures, bon courage. Si vous cherchez des informations sur les vidéos YouTube, sur les miennes par exemple, ou d'autres chaînes YouTube, j'ai un petit conseil pour vous si vous voulez chercher dans les détails. Peut-être que vous ne connaissiez pas ce petit tips. Si vous êtes sur l'ordinateur, c'est beaucoup mieux d'avoir un grand écran pour chercher les détails sur un ordinateur. Je vous invite à mettre pause et appuyer soit sur point virgule pour avancer d'une image, soit sur virgule pour reculer d'une image. Ça va pas vous avancer d'une seconde ou de 5 secondes, ça va vous avancer réellement que d'une image. Vous allez appuyer plusieurs fois dessus pour avancer image par image. Vous allez pouvoir éventuellement trouver des détails. Parce que c'est pas facile d'avancer le curseur à l'endroit où on veut et de mettre pause au bon moment. Hein. C'est beaucoup plus simple d'appuyer sur point virgule pour avancer d'une image ou virgule pour reculer d'une image. Voilà. Combien de fois cette technique m'a aidé à trouver des spots. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais en tout cas voilà, c'est les techniques que j'utilise pour trouver des spots. J'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai bien évidemment d'autres au cours de l'année. Je pense que la prochaine fois, je vous donnerai quelques conseils pour préparer un road trip urbex. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo toutes les semaines. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, également un commentaire, vous savez, j'adore lire vos commentaires et ça aide au référencement de la vidéo. Et je vous invite également à aller voir ma dernière vidéo dans laquelle on a exploré avec Juge Urbex une ville fantôme gigantesque avec presque 2000 maisons abandonnées. C'était vraiment un lieu exceptionnel. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième vidéo de notre road trip en Allemagne avec Juge Urbex. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en studio. Allez, salut !